need to quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stay here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay. Can't shake that feeling that we said goodbye too soon. I know the hour's getting late. I shouldn't sit here contemplating. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing. Drunken nights and Sunday mornings, and how you smile at me. Wish you'd stay here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay here right with me. I can't shake that feeling that we said too soon. Je suis en Norvège depuis mercredi 13 mars, on est lundi 18 et on peut dire que mon arrivée en Norvège a été un peu chaotique. Depuis que je suis arrivée, donc en moins d'une semaine, j'ai ma bouteille de gaz qui est vide. J'ai plus de connexion internet puisque j'ai utilisé toute la connexion européenne qui était disponible avec mon forfait de téléphone. Et je fais tout avec internet. Le gaz dans le van, ça me sert à faire à manger principalement et à faire chauffer des bouillottes aussi. Sachant que hier soir, j'ai pas fait attention au niveau, mais du coup j'avais plus d'essence dans le réservoir de mon chauffage. Donc j'avais ni chauffage et ni bouillotte. Le chien et le chat, ils étaient en PLS. Je me suis fait engueuler par mon chat toute la soirée parce qu'elle avait froid. Bref, il y a eu ça, il y a eu le fait que je sous-estime un petit peu l'hiver norvégien. C'est-à-dire que je suis arrivée mi-mars exprès en me disant on va être quand même un petit peu sur la fin de l'hiver. Ça devrait passer, j'ai des pneus 4 saisons qui m'ont fait 2 saisons d'hiver en montagne à Annecy et qui m'ont jamais fait défaut en fait. Et puis là, je me suis retrouvée coincée. Il y a eu une nuit où il a neigé et il a fait très très froid, donc ça a tout de suite gelé sur la route. Et quand j'ai mis le GPS, j'ai pas fait attention, j'ai pas regardé les reliefs sur la carte, j'ai pas vu que j'allais passer, que j'allais monter un peu en altitude pour redescendre après pour arriver dans la ville où je voulais aller. Ça monte, ça monte, ça monte, et plus ça va, plus il y a de la glace sur la route. Au bout d'un moment, je patine et je peux plus repartir. Même je pars un petit peu en arrière sans pouvoir trop freiner. Heureusement, je gère hyper bien le van. Je gère super bien sur la glace, sur la neige, sous la pluie, enfin, je conduis déjà bien. Les voitures, je maîtrise bien, quand ça glisse, j'arrive à rattraper. On dira pas à ma mère, mais j'arrive aussi moi-même à drifter et à faire des dérapages sous la pluie avec mes voitures. Je le fais pas avec le van, parce que ce serait trop risqué. Mais bref, je gère plutôt bien en temps normal, et heureusement, parce que là, j'ai réussi à me sortir quand même de là, je suis repartie en marche arrière. À un moment, je me suis un petit peu tankée dans la neige sur le côté, et du coup, j'arrivais plus à repartir, je patinais trop. Donc heureusement, encore une fois, que j'arrive à gérer, à doser l'accélérateur et tout. Je sais qu'il faut tourner les pneus, etc. Bref, j'ai quand même réussi à sortir de là. J'ai refait toute la route en marche arrière. Et en fait, je me suis tapé une panique. J'ai jamais été autant stressée. En fait, il y a eu beaucoup de gens qui se sont arrêtés. Donc les gens adorables. Vraiment, de toute façon, les Norvégiens, ils sont adorables. Donc il y avait beaucoup de gens qui se sont arrêtés pour me demander si j'allais bien, et du coup ça me sortait de ma concentration qui était déjà, j'étais déjà dans un état de stress et de vigilance assez intense parce que j'étais en marche arrière dans une route de montagne, c'est-à-dire que les gens arrivent derrière à pleine balle parce que eux ils les ont les pneus hiver, que je suis pas certaine de pouvoir freiner s'il y a quoi que ce soit puisque je glisse sur la glace. Qu'en marche arrière, déjà, il faut savoir gérer. Heureusement, il faisait jour, parce que la nuit en marche arrière avec le van, c'est impossible, je vois rien. J'étais déjà en état de stress extrême, quoi.
J'étais concentrée, il fallait que je me concentre sur la route et sur mes manœuvres, sur ce que je faisais, etc. Prendre les virages en marche arrière, etc. Et beaucoup de gens s'arrêtaient, donc me faisaient m'arrêter dans ce que je faisais et en plus me demandaient si ça allait. Et quand je suis stressée, quand je suis triste, quand ça va pas, si on me demande si ça va, c'est là que ça monte. Et plus ça allait et plus je paniquais en fait de voir les gens qui me demandaient si ça allait, de... Et en fait, une fois arrivée en bas, même pendant que je conduisais, et après encore pendant quelques heures, j'étais paniquée, je tremblais comme je sais pas quoi. Et en fait, c'est la première fois que je me suis déjà tanquée dans la boue, je me suis déjà plantée sur un talus. J'ai déjà fait des péripéties, mais j'ai même fait des accidents avec mes voitures. J'ai jamais été, je pense, dans un état de stress à ce point-là, à cause de la route. Et du coup, je me suis dit, mais je peux pas, là je suis encore dans le nord du pays, je suis pas très très loin d'Oslo. Je suis dans le sud du pays, je peux pas partir dans le nord de la Norvège, alors que là c'était rien du tout, il y a eu une petite tombée de neige, ça a gelé et je pouvais plus avancer. Et là je suis à côté de villes assez importantes, donc il y a du monde qui passe, mais si je me retrouve au milieu des montagnes, sur une nationale ou que sais-je, et que je suis bloquée, je fais quoi? Je me suis dit c'est pas possible, donc ça, internet, le gaz, je me suis dit on va se calmer, apparemment la Norvège c'est un pays qui se... prépare, c'est la première fois en fait que partir à l'arrache sans me poser trop de questions, sans préparer le... On a dit non, c'est pas ta maison, le lit c'est non. Non mon cœur, je t'aime. Et tu dois aller à ta place. Et oui, parce que là je suis dans un Airbnb, je vous explique après. Et du coup j'ai le chien et le chat, mais ils ont pas le droit de monter sur le lit. C'est pas la maison de leur mère. C'est compliqué de faire comprendre ça à Morphée, elle qui monte sur tous les meubles, puisqu'elle monte sur ma table, elle monte sur ma cuisine, parce qu'elle passe de l'avant à l'arrière dans le van, elle monte sur le lit, elle dort sur le lit, elle dort où elle veut, elle va où elle veut, elle va sous le lit. Elle n'a pas l'habitude d'avoir des endroits où elle n'a pas le droit d'aller, elle comprend pas. Mais bref, tout ça pour dire que je me suis rendu compte que c'était hyper compliqué de trouver du gaz en Norvège. Je peux pas trouver une bouteille qui est aussi petite que la mienne. J'ai une 6 litres, a priori les plus petites c'est 11 litres. Je n'ai de toute façon pas l'adaptateur qu'il faut apparemment pour les bouteilles norvégiennes. Ça coûte une blinde apparemment. Je ne suis pas allée me renseigner en station, mais apparemment la bouteille c'est plus de 100 euros. Et je pense que ça c'est les grosses bouteilles, mais quand même. C'est la bouteille et après 60 euros pour le gaz. Et sachant que la bouteille c'est un achat, c'est même pas une consigne. Donc même si je la rendais en sortant du pays, je ne peux pas récupérer ces 100 euros. Donc déjà, ça fait un petit peu chier. Et en plus, ça m'obligerait à trouver de la place pour stocker la mienne. En attendant, si je veux pas perdre ma consigne française. Donc, ça encore, ce serait le moins grave et le moins compliqué de garder ma bouteille, de trouver une place pour ma bouteille. Mais toutes ces histoires-là font que c'est hyper compliqué. J'avais une solution alternative, c'est de faire remplir ma bouteille. Ce qui est interdit en France, mais qui n'est pas interdit en Norvège. Après plusieurs recherches et après plusieurs infos qu'on m'a transmises, a priori la mienne, je peux pas la recharger. Parce que apparemment c'est des bouteilles à vis et moi c'est un clip. Et voilà, c'est pratique en France, mais c'est pas du tout pratique ici. Donc bref, plein de choses qui font que hyper compliqué de trouver du gaz en Norvège. Impossible de trouver une carte SIM. J'ai galéré, si vous saviez. J'avais entendu parler, et j'avais lu sur internet aussi, des cartes SIM prépayées qu'on peut acheter dans n'importe quel pays en fait, avec des gigas internet, avec de quoi appeler en Norvège. Et donc je me suis dit, j'avais plus de forfait sur mon téléphone, ok, je vais aller acheter une carte prépayée avec le max de gigas internet possible et j'utiliserai celle-là pour internet. Je vais à la recherche d'un opérateur qui fait ça, je trouve plusieurs opérateurs, plusieurs infos sur internet. Plusieurs infos de gens à qui je parle qui me donnent des noms d'opérateurs. Donc les deux qui ressortent le plus, c'est Telenor et Telia. Je cherche des boutiques. Alors faut savoir que la Norvège, tout est loin de toi, en fait. Il y a minimum 30 minutes. Il n'y a pas plus proche entre deux boutiques. Donc samedi, j'ai fait plus d'1h30 de route pour essayer de trouver une carte SIM prépayée. Donc je suis allée chez deux boutiques Telenor et une boutique Telia. Et les deux me disaient à chaque fois que c'était impossible parce que j'ai pas d'adresse ici en Norvège. Donc bah à chaque fois je me faisais envoyer sur les roses et plus ça allait, plus je me suis dit bah ok c'est vraiment impossible du coup.
Les gens à qui je parle m'ont dit bah je trouve ça bizarre parce qu'un tel l'a fait, j'ai vu plusieurs personnes le faire, je sais pas, bref. Je pouvais pas recharger mon forfait directement chez BNU, je suis chez BNU, parce que la seule possibilité que j'ai d'acheter des datas, c'est d'acheter une SIM prépayée Bouygues et je dois la recevoir par courrier. Donc ça n'a aucun sens puisque je suis en Norvège. Et l'autre solution que j'avais, c'était les eSIM. La eSIM, c'est une carte SIM à laquelle vous souscrivez en ligne, vous recevez un QR code, vous l'activez sur votre téléphone et il n'y a pas de puce. Sauf que mon téléphone n'est pas compatible avec. Donc ça, c'est pareil. Je me suis dit, ok, donc j'ai pas d'internet. Je fais tout par internet. Je recherche mes itinéraires par internet. Je trouve les laveries par internet. Je trouve les spots sur internet. Enfin, tout passe par internet en fait. Quand je mets mon GPS, j'utilise internet. Je ne peux pas ne pas avoir internet. Je travaille avec internet, ma boutique en ligne, mes réseaux. C'est pas possible en fait. Et avec mon forfait BNU, mon hors forfait, c'est genre, si j'utilise internet normalement, c'est 80 euros par jour. Je l'ai fait en Italie, je le fais plus jamais en fait. Pas en Italie, en Suisse. 2 jours, 80 euros. Donc c'est pas possible, je reste un mois en Norvège, c'est impossible. Et j'étais prête à payer cher en plus un forfait norvégien, mais. Donc j'abandonne cette idée-là, je me dis ok, je vais revoir tous mes plans et je vais voyager à l'ancienne. Je vais me connecter à internet que quand j'aurai accès à un wifi, donc je vais aller dans les cafés tous les 2 jours, je vais aller faire mon itinéraire pendant une demi-journée, tout ce que j'ai à faire pour le travail et tout en one shot, et après je coupe internet et tant pis. J'irai dans les centres commerciaux, j'irai dans les McDo, j'irai là où il y a internet, et puis je ferai comme ça, tant pis. Donc voilà où j'en étais un peu hier, j'ai passé ma journée au Starbucks pour essayer de commencer un peu à gérer tout ce que j'avais à gérer, et puis en fait j'ai eu là-bas une sorte d'illumination. Je me suis dit, en fait, tu sais quoi? Stop. Tu vas te poser, tu vas prendre 2-3 jours pour préparer le voyage, comme si tu le préparais en France avant de partir. La Norvège, c'est un pays qui se prépare. Et encore plus la Norvège en hiver, et encore plus quand t'as pas internet. Donc je me suis dit, ok, stop. Là, je passais ma journée dans un café. Vraiment, le Starbucks, j'y suis allée à 10h30, et je suis rentrée au van à 16h30. Donc en fait, j'ai passé vraiment 6 heures dans le café. En plus, j'ai renversé mon café sur moi, j'ai renversé mon cinnamon roll par terre, j'ai cassé l'assiette. C'était vraiment. Et puis hier, c'était mon anniversaire. Donc vraiment, j'ai passé une journée d'anniversaire et j'étais en stress depuis 2 jours. Le stress ne descendait pas. Quand je marchais dans la rue, je sursautais au moindre truc. En conduisant, j'avais peur. Enfin, il y avait une boule au ventre qui partait pas. Et je me suis dit, ok, pose-toi. Je vais prendre un Airbnb pendant 2 jours, 3 jours, j'en sais rien. Il faut prendre le temps. J'en avais besoin. En plus, j'avais besoin de souffler, en fait. De penser à rien. Ni à l'eau, ni au gasoil, ni à l'électricité. Rien. Donc j'ai pris un Airbnb qui est trop chou, qui est trop chouette. Attends, je vais essayer de vous montrer d'où je suis. Il est trop kiki. La petite cafetière et tout. La table à manger. La cuisine, là-bas il y a la salle de bain. Et puis voilà, le petit canapé. Et puis moi, là, je suis sur le lit. Et c'est trop chouette parce que c'est une petite maison, petite cabane rouge en bois typique norvégienne. Donc c'est trop mignon. Ça fait du bien. Je suis arrivée, le premier truc que j'ai fait, c'est de prendre une douche bouillante. Je me suis fait un masque. Je me suis bu un petit thé. Je me suis fait à manger. J'ai fait un bon dalle de lentilles avec du riz et j'en ai fait une grosse grosse plâtrée. Comme ça, je vais en prendre dans des boîtes. Ça m'évitera de d'user trop de gaz en fait pour cuisiner. J'aurai juste à réchauffer ça. Aujourd'hui, c'était quand même une bien meilleure journée. J'ai récupéré le Airbnb à 17h30 à peu près. Et en attendant, puisque j'étais déjà dans le coin, j'avais pas d'internet. J'avais pas de route à faire, j'avais rien à faire en fait. Donc je me suis dit, je vais commencer à préparer tranquillement ce que je peux préparer. Comme ça, j'évite de perdre du temps les jours où j'ai le Airbnb et je pourrais me concentrer sur l'utilisation du Wi-Fi quand je serai là. Et je bouge pas d'ici en fait. Donc j'ai été acheter des chaînes à neige pour mes pneus. Je pensais en avoir pour bien plus cher que ça et en fait, pas du tout. Je crois que j'ai payé. J'ai acheté des chaînes à neige, j'ai acheté un petit cric. En fait, j'ai décidé aujourd'hui d'acheter tout ce que je dis que je vais acheter depuis 6 mois et que je fais pas. Donc là, je me suis acheté un petit cric hydraulique.
et un petit jeu de, je sais pas comment ça s'appelle, des sortes de clips. Ça se colle sur le mur ou dans la voiture et on peut mettre son câble, on peut mettre son câble de téléphone dedans quoi. Et j'en ai eu pour 75 euros. Donc franchement ça va parce que les chaînes en France, je crois que c'est quand même plus cher que ça. En tout cas, je m'attendais à pire. En plus, en étant en Norvège, donc là, franchement, j'étais contente. Je suis allée faire mon plein de gasoil, du van et du réservoir du chauffage. Et j'ai eu trop de chance aussi parce que je suis passée devant plusieurs stations-service où il y avait écrit 24 couronnes. 24 couronnes, je sais plus ce que ça fait. Je vais calculer ça vite fait. Donc 24 couronnes, ça fait à peu près 2,06 €. Je suis passée devant plusieurs stations-service qui étaient à ce prix-là et celle où que j'avais mis sur mon GPS, eh ben elle était à 19 couronnes et quelques, ce qui nous fait 1,60 €. Donc moi, je me dis mais c'est génial, j'ai pas fait exprès, j'arrive dans une station-service qui est encore moins chère que les autres, je fais mon plein et ensuite le temps que je change de pompe pour aller remplir le réservoir du chauffage. Et ben en fait, c'était repassé à plus de 24 couronnes. J'ai eu trop de chance, je sais pas si c'était un bug, si c'était juste que c'est à cette heure-là qui change les prix et tout. Mais en fait, j'ai eu trop de chance parce que mon plein, le gros, le plus gros du gasoil dont j'ai eu besoin, et ben en fait, j'ai touché beaucoup moins cher et donc je suis trop contente. Ensuite, je suis allée dans un magasin de sport, type Decathlon, c'est vraiment la même chose, sauf que ça s'appelle XXL. C'est une fille sur Insta qui me l'a conseillé d'aller là et je ne la remercierai jamais assez parce qu'en fait, j'avais décidé de lâcher l'affaire avec les bouteilles de gaz classiques et d'utiliser mon réchaud de camping. Donc d'acheter des petites bouteilles type camping-gaz là, pour brancher sur mon petit réchaud de trek en fait, qui est tout petit, qui est pliable. Et je me suis dit, je vais me débrouiller avec ça. Franchement, je vais pas m'embêter à payer je sais pas combien et tout. Et je suis allée dans ce magasin et j'ai acheté trois grosses bouteilles comme ça, qui n'allaient pas sur mon réchaud à moi, mais de toute façon, je voulais le changer parce qu'il est pas stable. C'était un Décathlon qui était tout pourri, vraiment. Je sais pas si c'est le mien ou si c'est ce modèle. Mais en fait, il n'est pas stable du tout. Bon, déjà, c'est la bouteille et le réchaud qui se clipsent dessus, ok? Les pattes, elles sont vraiment pas longues. Donc en fait, ça fait un espace juste comme ça pour poser les poêles, les casseroles et tout. Et en plus, il bouge. Donc j'ai acheté un nouveau qui se visse à la bouteille. Du coup, c'est des bouteilles à vis. Ici, il n'y a pas le choix, il n'y a pas... C'est pareil, c'était un truc à clip que j'avais. Et bah ici, il n'y a pas. Donc bref, j'ai acheté plein de gaz. Vraiment, normalement, j'ai ce qu'il faut. Le réchaud qui va bien, qui va être bien stable pendant tout le mois où je vais m'en servir. Donc ça, c'est chouette. Et si jamais j'ai plus de gaz, je sais que je peux retrouver facilement ici, en retournant dans la même enseigne. Ensuite, je suis allée m'acheter une carte IGN de la Norvège. Donc en fait, c'est trop chouette parce qu'à chaque fois, je demandais aux gens dans la rue ou dans les centres commerciaux où est-ce qu'ils pensaient que je pouvais acheter ça. Et du coup, c'est eux qui m'ont guidée parce que j'étais complètement paumée. La carte IGN, je trouvais pas dans le XXL là, je trouvais pas dans les magasins. Les chaînes à neige, pareil, je trouvais ça nulle part, je savais pas où aller. Donc en fait, je demandais aux gens. Je vais acheter ma carte, je demande à la dame, donc je la trouve, trop bien. Par contre, hyper cher! Je l'ai payée. Comme quoi, pour le réchaud et les trois bouteilles de gaz, donc c'est des bouteilles de gaz qui font plus de 400 grammes, 450 grammes, je crois. J'en ai eu pour 70 euros, je crois. Et la carte IGN là, la carte de la Norvège, ça là, ça, une carte papier là, 28 euros. J'aurais pu le payer 10 fois mon forfait internet, hein. Bref, 28 euros. Je me suis dit comme ça, si j'ai pas internet, j'ai une carte. Ça me dira pas où je suis, mais ça me dira où je peux aller. Et en fait, en sortant de cette librairie, je vois un kiosque Telenor. On se rappelle Telenor? Opérateur téléphonique. Je me suis dit, tu sais quoi? J'y retourne, j'y vais au culot. Je suis arrivée dans la petite boutique, il y avait deux personnes, un gars et une meuf. Je pense qu'il y avait une vendeuse et un manager ou un truc comme ça, ou le directeur de la boutique. J'ai demandé s'ils parlaient anglais. Trop bien ici, tout le monde parle anglais. Incroyable. Et je leur ai dit, ok, est-ce que vous pouvez me sauver la vie? Et en fait, j'y suis pas allée comme dans les autres boutiques où j'étais un peu shy comme ça et je savais pas trop et j'étais là, est-ce que c'est possible? Et là, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me sauver la vie? Et ça les a fait rire. Je leur ai dit,
J'ai besoin absolument d'une. Donc ici, ça s'appelle Content Court. Carte comptant, carte prépayée. Et d'ailleurs, je trouve que le norvégien, c'est hyper facile à comprendre. Ça ressemble beaucoup à l'anglais en fait. C'est un petit mélange d'anglais et d'allemand. Bref. Vraiment, je dis vague. Je leur dis, mais en fait, t'as laissé une moustache. Je vais me faire engueuler, moi. Qu'est-ce que tu fais là d'abord? Bah oui! Petite commère, tu regardes dehors? Alors, bref. Oh, pardon, pardon, pardon. Là, vous vivez ce que vivent mes amis, tout le temps. Attendez, je reprends. Non, mais c'est incroyable d'être comme ça, hein. Je savais même plus ce que je racontais. Donc, je disais que j'étais chez Telenor. Et je leur dis, j'ai besoin absolument d'un forfait, d'une carte comme ça. J'ai pas d'adresse en Norvège. Voilà. J'ai, si vous voulez, l'adresse de mon Airbnb. En vrai, j'aurais pu donner n'importe quelle adresse au final en plus. La fille a commencé à dire, genre en gros, mais je crois pas qu'on peut faire ça, tu vois. Tu vois, ça y est, vous êtes mes potes. Et le gars, en fait, il dit, ouais, si, si, on peut faire ça. Et la fille, elle m'a dit, ok, bah, on peut faire ça alors. Et donc en fait elle me l'a fait, elle m'a demandé une pièce d'identité. Je lui ai dit que j'avais que mon permis de conduire alors que la dernière fois on m'a demandé mon passeport, ils ont testé avec tout, des numéros, ma carte d'identité, machin. Et là je lui ai dit j'ai que mon permis mais si vous voulez je peux aller chercher dans la voiture mon passeport. Et elle m'a dit non non je peux faire avec le permis. Elle a fait mon truc, elle m'a rien demandé, même pas une adresse, que dalle. Rien. En 5 minutes j'avais ma carte. En 5 minutes! Donc merci à ce monsieur qui a dit... On peut faire ça. J'ai une carte SIM norvégienne, donc je ne vais pas être dépendante du Wi-Fi. J'ai 30 gigas, donc il va falloir que je fasse attention et qu'effectivement, quand je dois travailler sur mon site internet, quand je dois charger des vidéos sur YouTube et tout, et bien que je trouve un endroit avec le Wi-Fi. J'ai téléchargé du coup un VPN, comme ça je peux aller sur des réseaux en public, c'est pas très grave, et je pourrais quand même publier mes vidéos et tout. Donc ça, c'est trop chouette. Tout ça aujourd'hui, tout se calait comme ça. Alors franchement, j'ai dépensé pas mal de thunes, mais beaucoup moins que ce que je pensais. Beaucoup moins que si j'avais fait du hors forfait. Donc ça, c'est trop cool. Je suis trop contente. Et voilà. Et les gens ici sont trop choux et je suis trop heureuse. Et du coup, là, je suis dans mon Airbnb. Je viens de me faire ma grosse plâtrée de riz et de dalles de lentilles. Je vais me refaire un autre truc demain. Comme ça, j'emporte tout. J'aurai déjà de la bouffe. Comme ça, je me fais pas chier dans le van. Là, je vais faire ici tout ce que j'ai besoin de faire, toutes les recherches que j'ai besoin de faire, l'itinéraire grossier et tout sur Internet. Tout ce que j'ai besoin de faire avec Internet. De toute façon, je vais le faire là pendant ces 2 jours. Donc, je suis pendant 2 jours dans ce Airbnb. Et puis voilà. Après, c'est parti. Après, par contre, je trace. Je trace, je fais 700 km en 2 jours et j'arrive en haut pour les aurores boréales. Parce que là, le temps presse, les enfants. Les aurores boréales se font de plus en plus rares. Je regarde les applis tous les soirs, là. Plus ça va, plus c'est haut, plus c'est dans le nord et moins il y en a. Donc voilà. Je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous tiens très vite au courant, mais n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Parce que là, je poste régulièrement. Je donne des nouvelles, je dis où j'en suis, je fais des petites stories photos aussi avec les lieux que je visite parce que j'ai pas toujours l'occasion de filmer ou alors j'y pense pas et je prends plus souvent des photos en fait. Donc n'hésitez pas à venir sur Instagram. Et puis voilà, c'est tout en fait. À la prochaine. Bisous! Marie voyage dans l'Afrique avec Morphée, Iris et puis Litchi. À bord de leur Renault Master, parcourent le monde dans la bonne humeur.